Ok, j'aurais une question pour le Mission Maker à propos de Grishino. Oui. Concernant le matériel qui est censé, qui vient d'y être, d'y arriver, c'est du matériel qui n'est pas encore utilisé, on est d'accord? Oui, non, parce qu'il y a des, il y a des mines dans le tas, donc. Oui, non, non. Je mettrai des mines Des par mines par terre quand on aura des démineurs fiables. terre. D'accord, merci. Non, elles D'accord, sont elles au sont chaud au dans la chaud dans la caisse. caisse. Sais pas si quelque chose a codé l'IA pour qu'elle aille chercher une mine dans une caisse et la pose par terre. On appuie sur Stuff complet sur Nathalie? Ouais. Pardon? Non, c'est bon, j'ai ma réponse. Snake Sheet, t'as du retour, je crois. Ok, bon, donnez-moi quelques minutes pour passer. Point. Un deuxième indicatif qui commence par S pour Sudan. SS. C'est quoi l'équivalent en russe? Oya. Quoi? S en russe, c'est écrit comme un C pour nous. Ah ouais. Je sais pas si les Russes l'ont. C'est le C pour nous, quoi. C'est le S pour eux. Ah oui. SCCCP qui fait SSR. Ça répond pas à ma question. Tu veux un mot en S, c'est ça? Salamandra. On peut le prendre en français, ça donne Suzanne en français. Ouais, je préfère Sabre à Suzanne. Suzanne, c'est bien. C'est bien Suzanne aussi. Sablier. Sacoche. Soupolet. Sapristi. 6. Sweden, son rôle, Sweden. Ici. Sarcophage. Non. Bon, ce sera sabre, il l'a mis. Ok, mémorise juste les couleurs, je vais m'en servir pour les tracer sur carte. Moi, je suis... T'es coupé, faudrait que tu répètes. T'as dit quelque chose, Vico? Ça a coupé. Non, non, c'est bon. Est-ce que, Setch, tu pourrais me nommer les routes? Bien sûr.
suis sur le bon canal, rassurez-moi. Oui. User in your channel timed out. User entered your channel. Ok. Donc Grishino se trouve sur notre chemin et apparemment on a intérêt à y faire un tour. Et la première chose qu'on va y faire, donc la première partie, ça va être de prendre, sécuriser Grishino et récupérer le matériel qu'on y trouve, en priorité des mortiers. Pour ce faire, on va avoir l'équipe d'assaut de Wami qui se décalera au nord du reste du dispositif pour un assaut sur la zone C, pendant que les deux autres équipes, donc Sierra et Sabre, se mettent en position dans la forêt juste au nord de notre point de départ. Dans l'idéal, j'aimerais que l'équipe de Sweden reste en... L'équipe de Setch, pardon, Sierra, reste en retrait à ce moment-là pour couvrir l'avancée des deux autres équipes sur les deux flancs. Sabre aura comme objectif de sécuriser la zone A, Whisky la zone C, et ensuite pour le milieu, le premier qui arrive à gagner. D'accord. L'idée étant qu'en fait, en attaquant par... passant par Grishino, on puisse contourner l'aéroport par l'est-nord-est et en fait attaquer et prendre d'assaut l'aéroport par la N4, hein, par l'entrée en fait de la route N4. Voilà, l'idée en fait étant que on clear ensuite l'aéroport de Z1 à Z2, enfin on commence par Z1 en descendant sur Z4. Je pense que notre objectif, qu'on aura le plus de chances de trouver un véhicule sur Z4. Et descendre comme ça permet de neutraliser ce qui pourrait nous empêcher de partir avant. Notamment à ce moment-là sur l'aéroport, faire attention à éventuellement une présence antiaérienne.
Je peux me permettre une remarque? Oui, bien sûr. Ouais, tu viens de rajouter S2, c'est bien, parce que S1, c'est quand même à 600-700 mètres de gris chino. Ouais, ouais, les grenadiers ne seront pas apportés. Un plat, donc à mon avis, ils vont être... Les grenadiers ne seront pas apportés, donc à mon avis, en fait, il serait peut-être mieux que Syrah avance dans les pas de sabre. On n'a pas de grenadiers dans Syrah. C'est ça, non. C'est ça, ok, des grenadiers, oui, excuse-moi. Non, vous avez les autos, ouais, c'est vrai. Mm. Dans tous les cas, même à 800 mètres à l'auto, tu vas pas faire grand-chose. Enfin, la question, enfin, le problème reste ouais. Le même, quoi. Ouais. Le long de la N8, là, il y a des murets, et il se peut que le relief permette d'avoir un bon visu à Syrah. Plutôt que de les faire suivre. Ouais, pour la couverture. Ouais, comme tu veux. Donc plutôt sur S3 là. Ouais. C'est intéressant que la position S1 en tout cas, ça c'est certain. Ouais, c'est clair. Les faire avancer en lisière jusqu'à S3, ça peut être pas con. Je les fais avancer avec jaune par exemple. Ouais. Faut faire attention que depuis S3, les bâtiments au sud-est de C vont bloquer quasiment tout l'appui possible sur Gréchino. Hein. User joined your channel. Ouais, tu veux dire que leur vue s'arrêtera à ça, en fait, c'est ça? Premier bâtiment, ouais. Et encore, avec le relief, je suis pas sûr qu'on puisse appuyer sur A. S2 était pas mal pour moi. On verra la réalité du terrain. Le relief a l'air favorable, pour l'instant c'est de la descente. User in your channel timed out. Ouais, mais comme dit, Warzen, avec les premiers bâtiments, ouais. Les premiers bâtiments pourraient boucher la vue, quoi. Difficile avec Sweden qui coule et découle sans cesse. Ah, génial! Il y a presque 10 mètres de dénivelé. User entered your channel. Ça explique ses 14 minutes de survie. C'est ça. Entre les bâtiments et S3, il y a 30 mètres de dénivelé. Ouais. Bah, il arrivera un moment où, quand Scrabble sera sur P1, où les premiers points ça va être les mêmes. Hein. Syrah sera sur S1, Sabre sur P1 et Sabre en fonction de. Ouais, je pense qu'il y aura un moyen de savoir quelle est la meilleure position à prendre pour Syrah. Ok, un truc dont il va falloir faire attention et qui m'inquiète un peu... C'est normal que t'aies mis le S4 en noir? Oui, parce okay. Que je l'affecte pas, enfin je sais pas encore okay. Qui... C'est juste pour le noter au cas où, en feu de l'action, quelqu'un a besoin de s'y rendre. Juste dans un souci de visibilité, tu veux pas le mettre en violet ou un truc comme ça? Ah oui, si tu veux. Enfin, en principe, moi ce que je mets en noir, c'est ce qui concerne tout le monde. D'accord. C'est mon code couleur qui est comme ça en fait. Ok. Ça te va pas. Enfin, si ça vous voit pas. Bah, histoire qu'on ne confonde pas avec un nom de route en fait, c'est ça. Juste ça. Ah oui, ok. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Pourquoi on le fait pas en rose? On peut vous citer S4 après.
Ouais, moi non plus, j'ai pas vu où était S4. Au nord de la piste. Un petit campagne au nord de la piste. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok. Alors, j'ai un peu peur de la A1, en fait, et de ce qui pourra arriver du sud de Cabanino et du nord de Petrovka. Un peu peur de ça. Autant le sud, on peut le voir arriver, je dirais, d'après le terrain. Autant le nord, avec la forêt qu'il y a autour. Ouais, Wami, il faudra que tu fasses bien gaffe. Wami ? Sab. Ouais, après, je pourrais peut-être plus couvrir le nord et Sabre s'occupera peut-être plus de B, non ? Je garde un œil sur le nord. Non, Sabre reste sur le sud de la ville, hein, sur A. Faudrait que t'avances, mais on verra. On verra qu'est-ce qu'on te fout. Ouais, quand même. Ah, ou sinon, ce qui peut être intéressant. User in your channel timed out. C'est le nouveau Sudan qui s'est barré, ouais. Oui. Sinon, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est de faire à Whiskey tout le tour, en fait. C'est-à-dire qu'à couvert de la forêt, passer derrière la A1. Carrément par le nord. Ouais, par le nord, mais dans ce cas-là, la zone d'attaque, c'est vide. Random, je suis pas sûr qu'on ait autant de temps qu'on veuille pour se mettre en place. Hein. C'est une bonne remarque, on a suivi, ouais, normalement. On aura des mecs dans le dos, faudra faire gaffe. Ouais, ouais. Ouais, faudra faire gaffe au dos. Ouais. On va agir 8. Ok, on va rester là-dessus alors. Ça doit être plus rapide. D'ailleurs, je crois que j'ai entendu un russe crier là. Approche. C'est la méthode la plus rapide. T'as pas peur, Raku. T'as pas peur. Ok, bon. Pour les canaux radio dans l'ordre affiché sur carte, donc. Kera sur canal 1, 2, 3, 4, 3, Sabre canal 2, Whiskey canal 3. Soudain. Il vient de déco. Il revient de déco là. Ah ouais, non, il va falloir changer alors. Ça va pas être possible. Ça va être problématique. Non, ça va pas être possible. Mais c'est bizarre parce qu'il est pas déco du jeu. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Ouais, je sais pas, c'est son TS qui chain crash peut-être. Il l'a mis à jour. Ouais, il est pas en 3.1. On va le mettre à jour. User entered your channel. Soudain. Yes, c'est top. Les... Oui. Ah. Oui. Soudain. Au revoir. Il lag tellement qu'il vient de le passer, quoi. Bonne nuit, les petits. Bon, ben, trou. Ce sera toi qui lira. C'est toi, quoi. Ok. Ah, il est encore parti, celui-là. Ouais. Ça va vite être insupportable. Pour exploiter, du coup. Pardon ? Pour refaire les slots, du coup. Enfin... Non, c'est bon. Il faudrait refaire le briefing, après. Un café à la radio, non, l'ingénieur, c'est bon, il a voilà, sa place. Voilà, ouais, il filera la radio, il se démerdera, voilà. Mais à coup, du coup, tu reprends le lead du groupe de... D'accord, oui, il est en jeu, ça. Et je vais juste encore rajouter... Bon, je profite. 2 secondes avant de lancer. Ah, ça y est, c'est donné le ticket. Bon, on va attendre qu'il revienne et puis s'il n'y a pas d'autres remarques, je pense qu'on va pouvoir y aller. Je resterai collé avec Setch. Et c'est tout.
Je vous laisse si vous pensez à organiser vos équipes. L'attaque. Il revient pas cette fois en plus là. Peut-être pas attendre 10 minutes non plus. Ouais. Je vais voir sur Discord si il y a des... Donc, ouais, je sais pas si vous m'entendez, donc je sais pas ce qui se passe avec la box. Et si ça déconne encore trop, dans les 2 minutes, bah je laisserai ma place parce que ça va pas être jouable. Il y a déjà un coup qui reprend ton lead. Bon bah voilà. Je rampe la radio au démarrage. Ok, tu es sur le serveur ? Pas de temps. Oui. Bon, Soudain, t'es là? Non, j'ai encore. Donc c'est toi qui me diras si je vais sur S2 ou si je vais sur S3. Ouais, c'est ça, en fonction de ce que ça brotte. Oh putain, bon, on va y aller, Et laisse. On va avoir un problème pour la radio. Laisse une instruction peut-être sur map pour lui, parce que il est en jeu, mais même s'il nous entend pas. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? De laisser la radio par terre. Attendez, je m'absente 20 secondes, il y a un drame chez moi là. ça sent l'engueulade là. Non, ça sent son gamin qui a fait une connerie. Oui, oui, l'engueulade. 30 secondes, l'engueulade, c'est court. Tu vas me faire spawner une radio, Mystery? Non, mais c'est bon, tu récupères celle-ci dessus. Elle part au cas où. Ouais, merci. Au niveau des premiers placements, chaque équipe est indépendante, vous partez dès que vous pouvez. Ok. Ok, bien pris. Bon, Sweden a pris un ticket. Ben Soroku, mais il est pas sur TS. Ah ouais. Il est là. Bon, je lance. Ok, Soudain, tu laisseras ta radio par terre au démarrage, s'il te plaît. Yes. Merci. Allez, c'est parti.